qui est britannique, mais qui s'entraîne en fait en Belgique, au centre de glace de Liedekerk. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Oui, c'est là que s'entraîne Kevin Vandenberghem. Voilà. Alors, Jenna McCorkell a, comment dire, un physique. Elle est beaucoup plus grande que la plupart des autres patineuses. Elle est même très grande hein, pour une patineuse. Et donc, normalement, elle devrait se jouer des difficultés athlétiques de cette chorégraphie. Attention, ça commence tout de suite par un double axel. Très haut, très très élevé. C'est bien. Ici au Lutz, oui. Il est dommage que Philippe ne soit pas avec nous aujourd'hui, ou peut-être est-ce heureux, car je me demande comment il aurait qualifié le patinage relativement athlétique de cette patineuse. Je pense que vous êtes de mon avis, Yannick. Oui. Hein? Mais enfin, voilà. Je le sais déjà. Philippe est en train de préparer son spectacle Hello and Goodbye dont il nous a parlé hier soir et qui commence la semaine prochaine à Lille, au Zénith. Attention, c'était parti un petit peu trop en biais, ça. Joli thème de Frida, bande originale du film éponyme, signé Elliot Goldenthal. Très joli thème musical. Axel en combinaison, c'est bien. Programme physique, effectivement, elle a tenté pas moins de 7 triples sauts, dont 2 flips. Tout n'a pas été réalisé avec succès, certes, il y a 2 chutes, une sur le bouc, une sur le flip, hein, le deuxième flip. Mais elle n'a pas froid aux yeux, hein, cette jeune Anglaise, tenter des programmes aussi difficiles. Bravo, bravo, elle est... c'est une vraie sportive.
Alors bien sûr, il faut acquérir maintenant un petit peu plus de grâce, un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de romantisme dans les programmes. C'est énormément demandé dans la catégorie des jeunes filles. Pour l'instant, c'est une vraie puncheuse. Oui, voilà. Alors, elle est donc quintuple championne de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, toutes catégories confondues, a eu du mal à remplacer Jane Turwill et Chris Dean, ex-champion d'Europe, du monde, dodécuple champion de Grande-Bretagne de danse sur glace. À peu près, oui. Je vous aimais bien quand j'ai dit ça, je ne m'en prive pas. Mais Chris Dean est devenu un entraîneur très respecté. Et Chris Dean avait été un temps le mari d'Isabelle Duchesnay. Et désormais, je crois... est avec une patineuse américaine dont le nom m'échappe un instant, mais Karine Kadavi. Kadavi. Chris Dean, grand bonhomme, grand personnage du patinage mondial, mais le patinage britannique tarde un petit peu à se relever de cet héritage. C'est vrai qu'il nous manque les cousins, cette époque où l'Angleterre amenait dans toutes les disciplines des patineurs de très très haut niveau. Et la meilleure représentante pour nos voisins anglais, eh bien, c'est cette jeune fille qui pourtant ne s'entraîne pas en Angleterre puisqu'elle s'entraîne avec l'entraîneur de Kevin Van Den Perren, pour lequel, la petite histoire, on peut le dire, hein, je crois, son cœur penche avec tendresse. Eh bien, mais c'est pas la petite histoire, c'est l'histoire. Non, c'est une réalité, officielle d'ailleurs, puisqu'ils sont fiancés. Ah ben oui, mais c'est une information tout à fait intéressante. Et oui, Philippe n'étant pas là, il faut que je fasse gazette. Exactement, la fameuse radio patinage dont Philippe et vous-même, Annick, vous disputez la rédaction en chef. Non, je laisse Philippe, hein. Il adore aller glaner les informations dans les vestiaires, donc je le laisse faire. Alors, profitons de ce... Un petit peu plus bas techniquement, ce qui est normal. Et puis alors, surtout, deux chutes, vous voyez, à côté de déduction moins deux. Eh bien, chaque chute, c'est un point de déduction. Donc ça fait vraiment très, très mal. Et notre géorgienne, dont vous avez le secret... Est toujours en tête. De la diction, Nelson. Yedevanishvili est toujours en tête.